Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les championnats de France de duathlon, ici même à Mâcon, et c'est parti! Là, ça tourne vite là. Bon, est-ce que j'ai tout? Ça, c'est le plus chiant à savoir en duathlon, c'est qu'il y a trop de trucs à prendre. Ceinture, compte de star, casque avec étiquette, étiquette sur le vélo, compteur, élastique. Là, je prends deux paires de chaussures aujourd'hui, j'essaye de prendre deux paires de chaussures. Chaussures vélo, sur le vélo, normalement on a trois petites gourdes. J'aurais plus qu'à prendre les lunettes tout à l'heure, puis voilà, c'est parti. On attend Marlon Latil qui a vu Louis Droignet passer à ses côtés. Pour mettre un petit coup de pulse au début du vélo et à la fin du vélo pour la course à pied. C'est important. On peut les retrouver chez les foulées à Amiens. N'hésitez pas à passer, hein. Ça fait toujours plaisir. Comme les Ghost Maps, comme le Giant. Vous pouvez tout retrouver là-bas. Tout est retrouvable au Canada. Allez, on passe donc du tout dernier tour maintenant pour nos athlètes. Passage dans la cité.
préparé. Ça prépare le bike. Là, je suis en train de monter la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder sur les championnats de France de duathlon. Et je remarque depuis certains temps que les vidéos, ça reste toujours quasiment les mêmes, quoi. On nous voit beaucoup en extérieur, des gens qui nous filment, comme là, Edouard qui nous a filmé, où on nous voit passer quelques secondes. Après, on nous revoit dans un autre plan, on repasser quelques secondes. Mais on ne voit jamais vraiment de vidéos en interne, en plein cœur du peloton ou de la course à pied, ouais, bah aussi du peloton. Et pour ce faire, on aimerait investir dans des caméras comme la caméra Insta360 ou GoPro pour que vous compreniez un peu plus ce qui se passe dans le peloton, donc les stratégies qui sont mises en œuvre par les autres équipes, par nous. Et du coup, on vous propose de nous aider financièrement parce que ça coûte, ces caméras-là. Et du coup, on va mettre une cagnotte en ligne qui se trouve là, juste en description, pour nous aider à acheter ces caméras-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner. Ceux qui donnent, merci à vous. Et du coup, bah voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, prenez soin de vous et kiffez la vidéo. Bon, on est maintenant à 45 minutes, 50 minutes du départ. Je vais bientôt partir me chauffer. Objectif du jour. Ouais. Pas vraiment d'objectif, c'est de se remettre en jambe pour la saison de D1 qui va commencer. Donc on verra en partant le parcours vélo. C'est 5 bornes aller-retour, vent de face, vent de dos. Et après le parcours course à pied, un petit peu plus sympa. Enfin, au début c'est sur la route, pareil du parcours vélo. Et après dans 2,5 km dans un parc. Donc on verra, c'est plutôt pour se tester et voir pour commencer la saison de D1. Bon bah là on est à 45 minutes du départ, les sensations de la semaine c'était plutôt pas mal, j'ai repris le vélo il y a quelques semaines, 3-4 semaines et j'ai pu rouler 200 km depuis, peut-être un petit peu plus, 300 et je suis à 100 km de vélo, là les jambes à vélo je pense qu'ils vont être présentes comparé à d'habitude où je roulais très peu avant les manches de duathlon, les jambes elles sont là depuis les France de cross-pompier. Je suis bien. Maintenant, va falloir réussir à faire mieux que les places des années précédentes sur les manches de Grand Prix et pourquoi pas espérer un petit top 50 déjà pour commencer en tout confondu chez les scratch. Et après, dans les U23, on verra. Un top 10, ce serait bien. Après, si top 5 il y a, pourquoi pas. Puis si podium il y a, bah, marché conclu. Hein. On fera peut-être la deuxième manche de D1 fin avril et puis voilà. En tout cas, il faut relancer la machine et puis là, ça fait du bien de se remettre dans le duathlon, de vraiment kiffer faire du vélo et courir l'enchaînement quoi. Voilà. Bon, ma paire de compètes ressortie aujourd'hui comme à Villeurbanne. Pour moi, la chaussure qui me convient le mieux pour pouvoir envoyer sur 5 km et 2,5. Plus qu'à réitérer le record, personnel record de Villeurbanne et de faire une très bonne place aujourd'hui grâce à ces petites pépites de chez Brooks qui sont hyper respirantes et avec la plaque en carbone. Plus qu'à envoyer. Thank you.
Allez, hein. C'est parti pour le footing d'échauffement. T'as pris ton collagène? Pas besoin. On va le prendre. Ils sont où mes lunettes? J'ai vu mon sac pour le gel mortaine, en fait. Je viens de penser. Le collagène, il est dans mon... Faut y aller, hein. Du coup, là ça y est, Etienne et Maxime sont sur la ligne de départ. Ils sont partis pour faire un duathlon S, donc 5 km de course à pied. Ensuite, transition, ils prennent le vélo, ils sont partis pour 20 km. Et pour finir, ils reposent le vélo, remettent les chaussures et c'est reparti pour 2,5 km de course à pied. Donc voilà, c'est assez épuisant comme effort, ça va être vraiment sympa. C'est environ une heure d'effort, donc on va vous suivre, on va vous faire suivre la course, départ dans 4 minutes. 4 minutes. Après une belle première cap courue en 14:50, on peut voir qu'on est encore énormément dans le groupe 2. Il va falloir faire une belle transition pour pouvoir espérer rejoindre le pack 1 directement. On peut voir qu'avec Maxime, on a fait une très belle transition. On sort tous les deux l'un derrière l'autre et on est à l'avant du pack. Donc là, plus qu'à avancer pour rejoindre le premier pack. Et hop, notre groupe rejoint le premier groupe, ce qui nous met bien jusqu'à la fin du vélo. Sauf qu'un groupe à plus de 60 reste assez risqué, donc il faut faire attention aux chutes et aux bousculades. Maxime, allez!
Hélas, la transition ne s'est pas passée comme prévu pour Maxime et moi. Quelqu'un chute juste devant moi alors que j'étais bien placé avant la pose du vélo. Et pour Maxime, il pose le vélo en dernière position. Donc ce qui fait beaucoup de retard à rattraper. Après une très grosse remontada de Maxime, il finit 34e et pour ma part, c'est une 46e place. Je reste tout de même satisfait de ma course. Bon là, fin de course, on est déjà reparti. Demain, rendez-vous pour le 5 km de Valenciennes, donc faut se dépêcher, on a 5 heures de route. Arrivé 1h du matin, on se lève pour partir à 8h30 direction Valenciennes faire le 5 km route. On vient de finir les championnats de France de duathlon. Franchement, je suis content. Peut-être quelques bémols dans les transitions à améliorer, mais pour un premier championnat de France chez les grands, je suis assez content de moi. Première course à pied qui s'est courue, je pense, à la montre, ça me met du 15-03 au kilo, 3-03 au kilo, donc 15 minutes et quelques sur 5 km. Je pense qu'on a été un petit peu plus vite parce que les premiers kilomètres, on les fait en 2,55-2,50. Et un vélo à 42 voire 43 km/h avec un grand recrutement comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, c'était une course assez mouvementée, assez brutale dans le peloton, ça poussait pas mal et le parcours était assez atypique. On n'avait pas beaucoup de place pour aller faire les demi-tours, il y a eu une chute heureusement, et enfin une seule chute heureusement parce qu'il y aurait pu en avoir plus. Et la dernière course à pied c'était tendu. Les premiers kilomètres, j'avais vraiment rien pour envoyer. Et dernier kilomètre, par contre, j'ai retrouvé les jambes. Sûrement grâce au gel que j'ai pris dernier kilomètre à vélo. Peut-être pris un peu trop tard, j'aurais peut-être dû le prendre un petit peu plus tôt. Mais au moins, j'apprends pour les prochaines échéances. Et on se retrouvera pour un prochain duathlon, je l'espère, le 28 avril, en rentrant de stage au Portugal où normalement, à pied, je serai bien meilleur. Et voilà. Là, on va s'arrêter manger. Et puis, rendez-vous demain pour le 5 km de Valenciennes. Bon, là, il est 1h15. On vient de rentrer. On a déchargé la voiture pour pouvoir partir demain à 8h direction Valenciennes pour le 5 km de Valenciennes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker
et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.